Bienvenue dans notre let's play de Marvel Spider-Man. Petit accent anglais. Alors, nous étions laissés donc sur cet épisode 2 que j'ai recommencé, comme je vous l'ai dit, avec les compétences et patati et patata, j'en passe. Nous allions donc vers. Attendre un point d'observation, voilà, j'allais dire. J'ai aucun réseau. Je dois trouver d'autres tours à activer. D'ailleurs, je vous préviens, les tours ça va être. Souvent hein, parce que enfin c'est en fait un truc qui me dérange, je ne sais pas où je vais. Prenez-moi s'il vous plaît. Et pour une fois le chronomètre est lancé, mesdames et messieurs, c'est quelque chose d'innovant. J'aimerais bien 40 me remercier sur ça. Avec le comité de subvention, si l'essayage du première classe Texidor se passe bien demain, ça devrait aller. C'est fantastique, Doc, les affaires reprennent provisoirement tant que notre petit incident ne parvient pas aux oreilles du maire. Tu seras à l'essayage demain? Absolument. Ouais. Ça va être génial. On va changer le monde, Doc. Si on ne déclenche pas le cataclysme, c'est déjà formidable. À demain, Peter. On va marquer les annales. Ouais, c'est surtout... Putain. Si seulement j'avais été plus rapide. Bon, on va aller à la mission directement parce que... Je ne suis pas... Non, non, non. Ne fais pas ça, Tristan. Ne craque pas. C'est pas le moment. Alors j'aime beaucoup prendre mon temps. Enfin, je veux dire, courir sur les toits, tout ça. J'ai conscience que ça peut s'avérer très chiant. Voilà, parfait. Ce bon vieil Empire State Building. Ah, j'adore cette ville. Allez, une petite photo. Alors je ferai pas des photos si magnifiques que ça, donc en fait si vous figurez-vous que nous avons cette ça voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de photos. J'avais oublié. Des photos des bâtiments connus. Est-ce que c'est sympa, c'est qu'on a des anecdotes sur selon des bâtiments reconnus de l'univers Marvel. Donc il paraît évident que si je vous montre, si je vous montre, allô. Si je vous. C'est Martin Lee. Je voulais te dire qu'on avait encore besoin de temps pour préparer. Je suis en train d'essayer de chercher la tour la plus énorme du jeu. J'avais coincé dans les embouteillages. Oh, d'accord. Vous avez qu'à me dire quand vous êtes prêt et je passerai. Excellent. À bientôt alors. Ok, j'ai un peu de temps libre. Voyons ce qui se passe en ville. Alors, améliorer les compétences, évidemment, ça ne sert à rien puisque je suis niveau mag, donc on va s'amuser à tout simplement nous rendre. Ici et décrypté. Désolé monsieur là. Décidément on part sur des perfects hein, ici. Oui alors évidemment les gens qui parlent anglais c'est d'un naturel, on s'y fait au bout d'un moment. Photo. C'est bon. Voilà, 216 monuments et après nous avons des monuments secrets. Merde. Est-ce qu'on n'aurait pas une cage de fisc quelque part? Non, pas du tout. Rien à voir. Bon, bah là on va continuer à trouver les postes radio. Écoutez, c'est pas grave. Alors, figurez-vous, concernant les DLC, alors en principe, je vais tous les faire, c'est à dire que les trois récents seront faits, les à venir car nous aurons visiblement confirmation d'Insomniac Games, donc les développeurs du jeu, que nous aurons des DLC suivants et à ce qui paraît les 4 fantastiques auraient été mentionnés, ce que je trouve plutôt pas mal mais perturbant car il ne me semble pas que putain de merde que la tour des 4 fantastiques soit présente, ou alors c'est moi qui est très con. Ah mais tiens c'est marrant, je vous parlais de la tour, voilà parfait. Quand je dis bâtiment connu, évidemment, hein, la tour des Avengers, voilà, si vous ne savez pas que c'est la tour des Avengers, voilà, il y a un peu un A évident. Faut savoir que Tony Stark s'est dit que le faire un poil plus grand que l'Empire State Building serait suffisant. À toutes les unités, on nous a signalé. Salut, monsieur Lee. Salut, Peter, tout est prêt pour la fête, on attend plus que toi. Cool, je me mets en route. On va aller faire le petit crime quand même avant parce qu'on n'est pas là pour. Non, les gars, sérieux! On est censé faire quoi contre ça?
C'est parti. Voilà, simple et efficace, c'est maintenant on y va. C'est toujours un plaisir de faire... Tech. Rousseur du beau jeu sur Belgian Fries, mesdames et messieurs. Enfin, du beau jeu, bon, vous me regardez jouer à Rainbow. Je vous signale une attaque en cours. Okay. À tous les agents disponibles. Allez, c'est à 60 mètres, on est Spider-Man, les gars, on va craquer. Devinez ce que je pense, des racketeurs. Ah, évidemment, ils sont encore une fois à 10 pour racketter quelqu'un, c'est évident. Je n'avais pas le souvenir d'avoir des objectifs bonus. Réception. Excellent. Allez, sur la route. Mais voilà. Ça peut paraître ironique, mais une bonne raclée vous apprendra qu'il faut pas frapper les gens. Merde. Excusez-moi. Hop. Bon, où j'ai mis mon sac? Redevenons Peter Parker. Un court instant pour aller au Fist, un truc que je déteste faire. Autant les petits moments Mary Jane peuvent s'avérer cool. Mais par contre, je vous jure que les moments Fist, s'il va qu'on aide les gens pauvres, ben c'est sacrément casse-couille. Loin de l'idée que je n'aime pas les gens pauvres. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Les riches, les mendiants, les tout ça, j'aime bien moi. C'est des gens sympathiques. Voilà. Ça c'est le Fist. Un gros centre d'accueil. Salut Peter. Voilà, tout le monde me connaît, je suis le Broda. Salut, la partie se passe bien? À ton avis, je gagne bien sûr. Il commence à devenir sénile, Pete. Je suis en train de l'écraser. Oh, le plus important, c'est de s'amuser. Je m'amuse comme une gamine à lui botter les fesses. Dans tes rêves, vieille folle. Parti, Pete. On joue pour des cacahuètes. Non, non, non. Merci. C'est pas trop mon truc. Qu'est-ce que je dois aller par là? Ah, Peter. Comment ça va? Ça va super, frère. Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Et c'est en retard. Un point commun entre lui et moi. Pas de problème. Hé, hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, il y a des boîtes très lourdes... Non, 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 pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour... Improvisation. J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter, tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, 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 je... Un peu beaucoup en retard. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, 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 pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi, c'est une fille très bien. Je sais, une fille très bien. Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Ouais... Peter... Saviez-vous que... Que se passe-t-il? Le sperme de la zraïe Peter Parker est en fait radioactif, c'est-à-dire que faire un enfant avec Mary Jane s'avérera... compliqué. Il bon, faudra juste espérer que sur le premier coup ça ira, quoi, voilà. Voilà tout. Tu as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant élever ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Bah la vie, c'est mort. Oh, ça me donne faim. C'est vrai que je mange tout le temps. Enfin, vous avez vu dans la best-of. Hein, c'est... Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, tante May a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec la mère. Oh purée, la malade s'est... la malade s'est mise à vibrer, ah, l'immersion. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup.
message vocal de Yuri. Je devrais l'écouter dehors. Ah mais ouais, merci bien. Je sais que vous le dites. Chaque fois que je rate à force. On se casse, on se tire, on se barre. Allez. C'est parti. XP gagné. Ah, oh, putain, ça me fait de l'XP en plus. Ouais, c'est cool. Message vocal de Yuri. Hey, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un œil ? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk ? Génial. Ah, pas je tout, me demandais ce que le Kingpin cachait dans ses placards. Petit, c'est quand même fou, hein. T'es en prison et en fait on est en train actuellement de vendre ce que tu as. C'est plutôt conceptuel. Bon, Kingpin n'a pas le manque d'argent. Ça paraît évident. Petite anecdote, tant que j'y suis, puisque je suis gros fanat de photos. Mais merde, sors de là, voilà. Il y a beaucoup de bruit à New York. Ouais, bon, mon masque peut isoler les sons écoutés. Peter, photo. Oh, est-ce qu'on part sur un enchaînement ouais, de photos filé au labo. Désolé. Ne t'excuse pas. Hop là. Je voulais seulement te dire à quel point t'es lourd compté pour moi. Alors, malgré tout ce que je disais donc. Que comme vous le savez, les séries Netflix Marvel ont été majoritairement annulées dans le but certainement de la plateforme de Marvel, de Disney pardon, qui va sortir. Et figurez-vous qu'une pétition a quand même eu 110 000 signatures, 110 000 signatures, si je ne m'abuse. Et Vincent Donorio, donc le joueur de notre cher Kaïd, a également signé et partagé la publication. Enfin, la pétition. Bon, évidemment, vu le grand géant qu'est Disney, ça m'étonnerait que ça marche, mais c'est toujours sympathique de remarquer que des gens en veulent, quoi. Surtout que Daredevil est, selon moi, la meilleure série Netflix. Charlie Cox est magnifique dans ce rôle. Ainsi que... Alors oui, ça, c'est des photos que, normalement, je pourrais faire à la fin du jeu, mais étant donné que j'ai fini concrètement, ça nous fait juste des photos supplémentaires. Donc, vous allez juste m'entendre crier un petit peu plus photo, à part... Mon photo sèche par chance, mon costume sèche, excusez-moi. Je jure que vous aurez fini de prier autant que moi quand on aura découvert toutes ces putains de tours radio. Yuri a dit discrètement, mieux vaut passer par derrière. Hop. Top play. Petite pause coca. Non, c'était pas un placement de produit. Ah là là. Ah oui, parce que les anecdotes Marvel, vous allez en avoir dans le cul, hein, concrètement. Et ainsi que mon avis, ça paraît fortement évident. Je commence à perdre patience. Ah. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques. Mais qui ça peut bien être, cette personne, voyons. Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'il me repère, ils la tueront. Je dois agir en silence. Partons sur l'infiltration. L'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués armés et une otage. On a un braquage en cours. Bien reçu. J'envoie des unités. En attendant, empêchez la situation de s'aggraver. D'accord. On reste discret. Mieux vaut ne pas alerter les autres. Oui, moi j'ai des pièges, donc forcément... Purée. La commotion cérébrale que t'as après ça. Ils ont l'air mignons en étouffant comme ça. Second conduit, je disais. Alors par contre, n'empêche, il fait ça, mais je me demande quel agent de la police ira dans ce conduit d'arrestation pour chercher ce connard là, hein, parce que franchement, chapeau. Hein. Bon, doucement.
Sois sage maintenant. Ah, je voyais pas où je devais aller, c'est pas pour moi. Approche. Silence a des limites. Quelqu'un d'autre est là, je le jure. Non mais, passe la porte, pauvre con. Dites-moi, où est-elle? Mec, tu vas remarquer le cadavre qui est collé là-bas. Active, Peter, les méchants vont devenir très méchants. Yanjing Zendadian. Yo, Kylo. Utilisons... Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Oh purée, il y a insisté, hein. Oui. Oui. C'est parti. Ouais, bon, allez, fais un peu moins de bruit, s'il te plaît. Cet appareil me dit quelque chose. Tiens, bouge pas. Mon pote, si j'avais eu un dollar à chaque fois qu'on m'a dit ça. Yes! Mary Jane Watson! Eh, hey, Peter. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà mon personnage que je déteste le plus dans ce jeu. Je travaillais. Le voilà. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Alors, je m'explique. Pour couvrir un cambriolage pour le Bugle. En fait, simplement parce que Gwen Stacy est 1000 niveaux au-dessus d'elle, selon moi. Et car dans ce jeu, elle est très casse-pied. Très très casse-pied. Beaucoup casse-pied. Elle se mêle de tout. Elle joue avec Peter. Faut savoir que là, du coup, comme elle l'a dit, ils ne sont pas ensemble. Enfin, étaient ensemble et se sont séparés. C'est vraiment... une casse-pied finie. Pour ne pas dire couille. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de Fisk. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hé, hey, Craig. Non, désolé, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop, un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Ouais. Je vous remercie. J'ai quelque chose à gratter à mort. Laisse tomber, fausse alerte. Très bien, allons-y. Oui, c'était une farce, évidemment. Prenez le temps de vous familiariser avec les articles. Retrouvez-moi à la statue de Baku quand vous serez prête. D'accord? Alors, j'ai pas eu le temps du tout. Un ensemble de masques de No et de Kyogen provenant de l'époque d'Edo. Le plus célèbre est celui de Buaku, le démon aux yeux tristes. Je crois qu'être un héros, c'est aussi assumer ses actes. Dire oui, c'était moi. Excusez-moi. En tout cas, moi, c'est le genre de héros que je voudrais être. Katana du 14e siècle. Katana attribué à Masamune, garde restauré au début du 16e siècle. Il est venu s'écrouler dans mon jardin, à moitié mort. J'ai dû voler la voiture de papa pour l'emmener aux urgences. Début de la carrière un peu trop intense de l'infirmière MJ. Cigare roulé à la main, produit de luxe, importé le Sim Carry fabriqué. On en a pas parlé aux infos? Oh là 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 là, cette rêve, vous comprendrez plus tard. Oui, je vous fais un teaser, j'en ai rien à foutre. Parfois, enfin, j'ai l'impression que toute l'histoire du monde se résume à des hommes qui se déguisent et se battent. Je pense qu'elle a eu un petit problème avec Peter Parker dans sa vie, ça explique beaucoup de choses. Voilà, t'as un Spider-Sense toi aussi? Je me rappelle quand Fisk a commencé à importer illégalement des artefacts comme ça. Il avait acheté le port pour couvrir ses arrières et licencié tout le personnel, y compris mon père. J'aimerais qu'il soit là pour voir que la roue a tourné. Voilà ce que ça me fait. Tapisserie représente deux gardiens Niomi, Mishaku Kurungo et Naraen Kurungo. MJ a l'air visiblement très passionnée par ce qui se passe devant elle, c'est assez impressionnant, je vais être honnête.
Kyoto, c'est magnifique. Ah, wow. Une partie de moi voudrait tout plaquer et découvrir le monde. Ah. Mais tout ce que j'ai est ici. Pourquoi Fisk a-t-il appelé ça Vanessa? Vanessa qui est, je vous le dis, je vous le concrétise, voilà. La femme, enfin la femme, oui, la femme de notre ami Wilson Fisk, du moins la femme qui est. Tout d'abord la pièce maîtresse, un Baku Kakemon unique. Oh, magnifique. Vous pouvez poser avec. Parfait, exact. Madame. Monsieur Fisk a un goût exceptionnel. Est-ce que vous viré le lendemain avant son arrestation? Dans un cadre professionnel, oui. J'ai géré beaucoup de ses ventes. Continuons, je vous prie. Ah, vas-y, elle va m'expliquer tout ce que j'ai lu là. Parfait. Je suis là, hein. Parle, vas-y, n'hésite pas. Ici, cette sublime pièce illustre la technique à l'encre diluée traditionnelle Tarashikomi. Les deux niveaux sont très imposants. Ah là, merci. Je comprends que Fisk. Ah putain, on te voit sur la photo, voilà, voilà. Il aimait la dualité. La destruction est bruyante, mais la création œuvre en silence. Vous avez remarqué des anomalies dans les ventes que vous gériez pour lui? Non, non, bien sûr que non. Je n'ai rien remarqué. On gratte, on gratte, on gratte. Ah, je vais avoir le droit à faire toutes les photos de ce que j'ai déjà lu, quoi. C'est vraiment splendide. Je suis là, hein, vas-y, parle. Regardez voilà. Les fines incrustations dorées de ce service à terre rituel. En fait, un ami du procureur m'a dit que Fisk se servait des ventes d'art pour blanchir des biens volés. Non, la première fois, c'était le but, hein, mais non, après, tu peux t'enlever la photo. Non, je ne suis au courant de rien de la sorte. Oh, je sais bien. Je me demandais simplement, maintenant qu'il est en prison, si vous aviez noté des choses bizarres. Pardon, mais je me rends compte que je n'ai plus beaucoup de temps. Si vous me faites concrètement chier avec vos questions. Quand mon ami du bureau du procureur a su que je faisais un papier sur vous, il m'a dit qu'il connaissait votre nom. Juste la photo, d'accord? Mettez-vous là. Putain. Oui. Oui. Ah, voilà, là, tu vois. Vous êtes sûr de ne rien avoir à dire, même de vous à moi. Tu peux poser. Au sujet des activités de Fisk. Je doute que vos lecteurs s'intéressent vraiment à ce... Ferme ta gueule, hein. C'est pas vrai. Attendez là, je vous prie. Oh, waouh. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a... C'est bon. Craig, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien, suivez-moi. Merci. C'est vraiment un bel espace. En effet, et c'est la dernière fois que vous le voyez. Les toilettes pour dames sont sur la gauche. Faites vite. Bien sûr. Aucun souci. Je me dépêche. Allez, hop. On part au chiotte parce qu'on a envie de pressante. Putain, j'en ai marre, je vais tomber cette caisse, je fais pas exprès, quoi. Est-ce que... Non, rien d'exceptionnel en fait. Excusez-moi. Tiens, salut Craig. C'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. C'est... Non, elle est ici. Pas vrai. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Si cette statue est bien ce que je crois, je pourrais tenir un scoop. Comment ça, il a eu un empêchement? Et si ce n'est pas ta journaliste, c'est qui alors? Qui est dans ma salle d'enchères? Me verra pas. Oh mon dieu. Oh oh. Non, je doute que tu puisses régler ça. Oh mais non, mais eh bien, je vais d'abord commencer par faire arrêter mademoiselle, je mène l'enquête. Non, mais faut te décider, tu vas à gauche ou à droite. Je vais te faire tomber, Craig. Oh, elle a pas l'air contente. Oui, c'est très clairement une menace. Oh putain! C'est parfait. Peter m'a parlé de ça. Fisk s'en servait pour cacher des preuves. Oula, pourquoi alors. La police l'a pas pris? Je sais que c'est inspection. Alors. Examinons ça. Il tient quelque chose. Ah, c'est bizarre, ça va vers le bas. Avec le gros tube en main.
La statue est articulée. La pose la plus courante est la force latente. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant. Calme-toi, calme-toi. Rendant sa conception modulée à ses 5 points d'articulation distincts, cette statue peut prendre de nombreuses poses. La plus célèbre est celle de Naren Kongo. Bouche fermée, bras gauche en bas, paume droite en avant, symbolisant de la force latente. Cette pose représente le changement et le chaos qui peut résulter d'événements mineurs. Ouais, c'est un peu le... pas le karma, mais vous m'avez compris quoi. Ok. C'est le Nio derrière eux. Sauf qu'il est différent. Fisk est tellement vraiment un requin quoi. Un requin quoi. Allez, vous savez quoi? Voilà là. Prenez la photo là. Et c'est un requin. Je ne peux pas. Peut-être que ces trucs bougent. Alors. Ouais. Ouais. Paume gauche à 1 droite. C'était comme ça? Bien. Mais il manque quelque chose. Il tenait le gros tube. J'ai déjà vu ça. Ouais. Touchons à des choses qui sont certainement plus chères que ton loyer. Ça ne va pas. Génial. C'est pas ça. Putain, mais les gars, mais alors c'est quoi? T'es se fout de ma gueule là. Ouais, mais on va se mettre d'accord que la lance ressemble quand même vachement fort à ce machin là. Hein. Bon, ok, oui, j'ai déjà fait le jeu. Et alors, qu'est-ce que ça change? Oui, c'est bien, allez, prends ça, voilà, mets-le dans sa main maintenant et arrête de m'emmerder. Voilà! Ha ha ha! Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Oh! C'est le bordel! Excusez-moi, monsieur! Non, vous ne pouvez pas! Allez, ciao! J'aime pas ça. Où est la statue? Ici! Vous savez, il y a beaucoup de statues, hein! Pas Wenjin Zhaoshulai! Si vous parlez chinois, n'hésitez pas à me confirmer que c'est bel et bien ce qu'il vient de dire. C'était pas raciste, hein, c'est bien du chinois, je tiens juste à le préciser. J'allais rejoindre la sortie quand je t'ai vu. Oh, mais je dis, autant te rappeler que. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Voilà, et écoute, que je suis une saloperie. Je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. T'as oublié de dire que j'avais un chouette costume. Bon, ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Hop là. C'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. Une dose de somme, ça y est. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Ah, Peter, qu'est-ce que tu peux t'avérer ? Elle a changé de parfum ? Oh, c'est pas le moment, Peter. Oui. Amoureuse connard. D'accord. Ok. Ouais, je devrais m'occuper de cela avant de continuer. Allez, viens, copain, on va se faire. Évidemment, bon, nous avons. Je suis caché vers l'avant. Donne le signal et je fonce vers la sortie. Ça marche. C'est quoi ce dossier? Qu'est-ce qu'il contient que ces types veulent à ce point? Des notes sur le souffle du diable. Projet pour lequel on a demandé à Fisk de construire un laboratoire secret. Quelle que soit cette invention, Fisk en avait peur, on dirait. Ah. Il la compare à une bombe de Pandore. Ça s'inscrit, visiblement fait une mise à jour, j'en suis heureux. On va vous faire sortir d'ici le dossier, toi. Attends-moi. Alors, attendez un petit instant. Faudrait qu'il vienne là, hein, lui. Alors ça, c'est une je petite merveille. Discret. Ah non. une petite merveille, bien sûr, quand ça marche. Et voilà. Voilà, là par exemple. Bon, la salle est sûre. C'était évidemment prévu. Ok.
Ok. Alors. On va faire ça intelligemment. Ne vous inquiétez pas, madame, on arrive. Allez. Et hop, ça part sur un paquet cadeau. Hop là. Te relâche pas, Peter. Et toi, non, Damien, je viendrai après. Bon, c'est quoi, on va t'emballer aussi parce que je trouvais ça un peu con que tu ne sois pas comme tous tes copains. C'était le dernier. Non, Angie. Ah, super. Je l'avais dit hein, que ça allait être chiante. Oh. Excommotion cérébrale, c'est parti. Arrêtez. Salut non. Les guys. Cache-toi. Bon. Écoutez, il y a des choses de valeur ici, j'aimerais bien. C'est pas bien de prendre des otages, les gars. Je suis désolé, j'avais tellement envie de faire ça. Wow. C'est quoi ce machin qui brille sur vos mains? C'est des fantômes? J'ai jamais affronté de fantômes, moi. Ah, tu sais quoi, tu as fait un tour là-bas. Enfin, j'ai affronté des spectres. Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes. Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes, vous le saviez? Oh, je m'amuse. Ouais, on dirait que c'est une histoire d'énergie plutôt que de fantômes. Tant pis, je garde combattre un fantôme sur ma liste d'objectifs. Cassons plus de choses. Moi qui me demandais si c'était fini. Ça va, t'as juste une épée, calme-toi. J'avais peut-être omis ce détail, s'il est vrai. Oh, vas-y. Allez, on part sur... Infini. Oh, je l'avais pas vu lui. Prise de catch. Le cardio, c'est fait. Parfait. Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un. Petite collection. Moi, je le garde dans ma chambre, perso. J'aurais pris tous les masques. Ou alors, Peter. T'es malin, t'as des problèmes de facture. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé, vous n'êtes eh même bien, pas une de ses tu les vends sur deuxième. J'ai jamais dit que je l'étais. Voilà. Mary-Jane Watson, Daily Bugle. Toujours sur eBay. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de alors se passer. Alors, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je n'en sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Et hop là, ça part sur un envoi. Ça par contre j'aime bien. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Ah, comme si je t'avais pas plaqué il y a 6 mois. Salope. Bon, j'avoue que... Allez, ça va être chiant si je fais des commentaires comme ça tout le temps. Alors, je vais faire un effort pour vous. Je vais arrêter de trash talk MJ. On va faire comme si je découvrais MJ, que je l'aimais bien. Qu'elle était toute mignonne. Et voilà, c'est... Voilà. Depuis quand Mick est devenu italien? Aucune idée, mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleures de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? Eh ben... En fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Et hop. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Promotion vers le Pôle emploi. Tous ces affreux masqués. T'en penses quoi?
Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement, cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Ha! Hop là! Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Parce que un simple dîner entre amis? Des amis? Hop là! C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Oh, le pauvre! Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? Hop là! C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. C'est pour ça qu'on a rompu. Eh, pef! Je vais me retenir de pleurer, les gars. Je vais me retenir de pleurer, putain, Stanley, quoi. Oh là là. Il y a un bel hommage d'ailleurs à lui, fin des DLC. Ce grand homme, ah putain. J'étais pas bien, hein, le jour de sa mort, je vous jure. Je dois vous avouer que malgré cette action soudaine, voilà, on va aller faire la petite tour là. Et puis je vais vous laisser sur ça, je crois bien, parce que pour une fois, hein, Tristan, il a pris son timer et le chronomètre. Hey, c'est moi! Je viens de voir des unités sur la troisième! Oui, on dirait que ce bon vieux Hermann Schultz est de retour. Shocker. Oh non! Il vient pas d'être libéré sur parole? Si, mais ça devait pas lui plaire. Pas de soucis, Hermann est un rigolo. Je l'aurais ramené sur Riker avant l'extinction des feux. Après, tête à tête avec mon ex que j'ai sauvé de criminels masqués! Maintenant, je vais dérouiller un fou furieux qui commet des vols grâce à des ondes de choc. Un jour comme un autre dans la vie normale. Bon ben voilà, vous avez le spoil du prochain épisode, hein. C'est... Voilà, j'ai même pas besoin de... J'aurais pu vous le faire, hein, mais non, c'est Peter qui s'est dit, on va le faire tout seul, c'est très bien. Donc voilà, sur ce... mesdames et mesdames, je vous dis au revoir, c'était Tristan sur la chaîne de Benjamin Fries, et je vous dis... tout simplement, rendez-vous au prochain épisode. Je vais attendre Peter, que nous soyons à 38 minutes 25. Au revoir! Ça ne me dérange pas. Non, pas ce que je voulais faire. Au revoir!